me semble que ce qui fait le point commun entre la rupture avec la Ve République et l'Union européenne se résume à la question de la démocratie. On parle, par exemple, du référendum dans les entreprises. Il s'agit, bien entendu, d'opposer les syndicats aux travailleurs. Il est étonnant, d'ailleurs, que les mêmes qui prônent le référendum en entreprise se sont assis sur le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. Il s'agit de désigner le candidat qui postulera au titre de Bonaparte de la Ve République. De la même manière que pour le référendum contre les syndicats, il s'agit de passer outre les partis. Dernière idée en date, le tirage au sort. D'autre part, cela signifie que les tirés au sort agissent à titre individuel et non au nom d'un collectif ou d'un mandat.